Bonjour famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous allez super 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 bien. Moi aussi je vais très très bien. Voilà. Avant de commencer la vidéo, je vais vous donner une petite information. Une information surtout pour les femmes qui me regardent. Vous savez, vous aimez bien vous maquiller, hein, mais vous ne connaissez pas toutes les conséquences d'un produit de maquillage. Voilà. C'est pourquoi il y a une jeune dame du nom de Mimi Camara qui a conçu le produit Mimi Cosmétique. La première marque ivoirienne de make-up fait à base de minéraux naturels. C'est Mimi Cosmétique et le lancement c'est ce 21 ans. Voilà, à la rose blanche, en revenez-en Mao. C'est un produit qui vient à révolutionner le make-up africain. Voilà, il a été conçu en fonction du climat et de la peau africaine et des peaux africaines. Voilà, quand je parle de peau africaine, on se comprend. Bref, on en reparlera dans d'autres vidéos. Et vous aurez la vidéo dans l'après-midi. Je ferai un direct pour vous montrer un peu le lancement. Maintenant, parlons maintenant de l'histoire du Prumut ex-award coupé décalé. Ah, le père Mola, mon vieux Mola, avec tout le respect que j'ai, que je te dois, tu t'es rendu plat. Ouais, il faut que je sois direct, tu t'es rendu plat. Je pensais que tu allais vraiment être convaincant dans tes propos, mais honnêtement. T'as pas eu de. Il n'y avait pas d'argument dans ce que tu disais. Voilà. Tu étais là à revenir sur les mêmes choses. Tu t'es attardé sur Claire Bailly et Kedivara. Mais les deux personnes essentielles de ce mouvement-là qui sont Debordeaux et Arafat, tu n'as même pas osé. On ne sait pas pourquoi. T'as sur la tes raisons. Mais moi, je pensais que dans ce direct, tu allais venir nous donner vraiment de vraies informations, de bonnes informations. Je vais aller rapidement. Quand par exemple tu dis que tu fais un festival gratuit sur 3 jours où des artistes viennent défiler, c'est-à-dire viennent prester et tu les payes des cachets, mais c'est les droits, mon vieux père. Je t'explique pourquoi. Si c'est un festival dit gratuit qui n'est pas couvert par des sponsors, on peut accuser ces artistes-là. On peut dire qu'ils sont méchants, on peut dire qu'ils ne sont pas bien. Mais dès lors qu'il y a des sponsors qui financent ce mouvement dit gratuit-là, il y a de l'argent quelque part à distribuer aussi. Voilà. Il n'est pas dit que dans le sponsoring, c'est seulement pour l'organisation de ce festival-là seulement qu'on finance ce projet. Le sponsor, il tient compte de ces différents cachets d'artistes-là. De cette pléiade d'artistes qui va passer durant ce truc, on va dire, quoi, ce festival-là. Donc là, tu nous apprends rien, mon vieux père. Honnêtement, tu nous apprends vraiment rien. C'est même pas un argument qui tient. Voilà. Tu parles encore de visibilité. De quelle visibilité tu parles? Lorsqu'il y a des prix comme les MTV Awards, où ces mêmes artistes coupés décalés là, d'autres sont déjà nominés de là-bas, où il existe Twitter, YouTube, Facebook. Honnêtement, dans l'ère 2018 là. Dans l'ère de la technologie et de l'internet, là, la meilleure visibilité, ce sont les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas de quelle visibilité tu nous parles, mon vieux père. Troisième chose, tu t'es attardé sur Kedjevara, comme quoi Kedjevara te doit de l'argent. Tu as poussé le jeune homme à venir dire des choses vraiment qui gâtent ton nom. Et ce n'est pas joli. C'est vraiment pas joli. C'est vraiment, vraiment pas joli. Tu dis avoir des vidéos, des notes vocales, tous les papiers, des vidéos enregistrées. Nous, on pensait que à 15h30, là, tout ça allait sortir. Mais tu n'as pas osé. Parce que tu sais que tes petits frères savent beaucoup de choses sur toi. Il n'y a pas allé trop loin. Parce que cette journée est un peu très, très chargée. Moi, je vais juste te donner un conseil. Ce sont tes petits frères d'abord. Ce sont tes petits frères. Eux tous. Rends le téléphone, discute avec eux. Voilà. Parce que tu as dit que tout le monde est dans le Prumut. Donc on aimerait voir aussi des artistes comme les Magic System, les Tikenja, les Alpha Blondy, les Miwe, entre toutes les vraies, les grosses têtes de la musique ivoirienne là, doivent être dans ton mouvement aussi parce qu'ils sont artistes. Ils ont le droit d'être honorés, ils ont le droit d'être choses primées. C'est un conseil des petits frères, on ne se connaît pas. Moi, je t'apprécie bien. Appelle tes petits frères et discute avec eux.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Partagez la vidéo si elle vous a plu et puis abonnez-vous massivement. Voilà, merci encore et bonne journée. Mimi Cosmétique, et n'oubliez pas la marque de make-up.